le sujet du pardon. Pardonner. Est-ce quelque chose qui est utile? Ça réconforte certainement, ça donne à celui qui pardonne un cœur léger parce qu'il a eu tellement l'envie de se venger, de contracter une rancune. Et cette rancune, cette vengeance l'a certainement été pour lui une grande douleur. Donc ce que nous gardons, ça crée en nous des douleurs, du poison en fait. C'est un poison pour nos émotions. Nos émotions s'emballent et nous ne savons plus être nous-mêmes. Et nous accusons les autres. Parce que justement nous avons été blessés et cette blessure n'est pas celle de l'âme, de ton cœur, de celui qui est libre, mais elle est la blessure de celui qui a fabriqué l'entité que tu appelles moi. En fait, toute la connaissance que tu as de toi, tout ce que tu as pu faire pour exister et être ce que tu es aujourd'hui, dans toute l'apparence que tu as, que tu prônes, l'image que tu donnes, tout ça est blessé. L'image est blessée. On a renié l'image. On a dédaigné l'image. Donc tu es blessé. Parce que quand même, toute ta vie, tu as fait en sorte que cette image soit peaufinée, bien arrangée, mise en valeur. Et là, il y a quelqu'un qui vient et qui fout tout en l'air. Alors c'est l'image qui pleure. L'image souffre. L'idée elle-même est bafouée. L'idée de la prestigiosité que tu t'es donnée est bafouée. Et c'est ça qui crée en soi l'émotion qui en veut, qui veut se venger ou qui devient méfiant, qui n'a plus confiance en soi. Et nous traversons l'existence avec toutes ces émotions à cause de l'image qu'on s'est faite. Mais l'image est celui qui demande pardon. Mais le pardon n'est pas nécessaire à celui qui n'a jamais fait quelque chose pour pouvoir se sentir bien en étant quelqu'un. En fait, c'est une histoire d'ego à ego, de vouloir s'arranger, de vouloir d'ego à ego, de vouloir se soulager les uns les autres en se pardonnant de la blessure qui a été faite. Et voilà. Et donc ton image reprend son envergure. Je dirais, ah, d'accord, non, il a fait une erreur. Et en plus, il a pardonné. Il a dit qu'il avait, il regrettait son acte. Donc moi, je reprends de la fierté. N'est-ce pas comme ça? En fait, nous avons quelque chose en nous que nous ne voulons pas lâcher, qui s'appelle justement toute cette construction que nous avons faite et à travers laquelle on va vivre d'apparence. L'apparence que nous avons
fait exister l'être qui veut de la reconnaissance. Et sans cette reconnaissance, eh bien, nous les humains, on est apeurés du regard de l'autre. Parce que si on n'a pas cette reconnaissance, eh bien, il y a une insécurité. Le soi qui sait que l'on a fabriqué est en insécurité. Alors comment rester vrai sans qu'on ait besoin de la sécurité pour que la construction qu'on a faite soit pérenne? Parce que toute construction que nous faisons, nous les hommes, c'est-à-dire l'image que je me donne, l'être que je suis devenu, tout ce que je veux devenir, les désirs que je veux pour être celui qui est bien vu, eh bien tout ça ne peut pas être pérenne. Il va être bousculé à un moment ou à un autre. En tout cas, le jour où tu vas mettre le pied dans la tombe, tout ça, tu ne les auras plus. Parce que c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est quelque chose qui est inventé. Et c'est cette chose inventée qui crée toute la douleur de l'être humain, parce qu'on veut s'accrocher à ça. Et on ne pardonnera pas à personne à qui celui prend justement l'initiative de vouloir casser cette image. Nous sommes dans une lutte d'image à image, à se faire respecter les uns les autres à travers nos images. Mais le respect ne vient pas de là. Parce que quelque chose qui n'est pas vrai ne sera jamais respecté. Quelque chose qui est éphémère, ne peut pas être respecté. La seule chose qui est respectée, c'est celui qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Lui, il n'y a personne qui ne peut se mettre à la cheville. Il est obligé de le respecter. Il est obligé de se soumettre à la grandeur de cela. La grandeur de son geste d'amour, de toutes ses actions qui sont pleines d'indulgence. Et ça, c'est toi. Au fond, c'est ce que tu es. Il faut que tu arrives à comprendre que tout ce que tu fais quand tu es vrai a un impact dans ce monde qui ne touche pas à l'image des autres. Il n'en a que faire de tes images. Il n'en a que faire de ton allure. Parce que tout ça n'existe pas. Et il faut comprendre que tout ça sera balayé. Et si tu gardes ça, tu seras attaché à ça, parce que ça te donne le réconfort d'être en sécurité aux yeux des autres. Mais ça n'existe pas. Et si tu crois que ce que tu es, c'est ça, alors tu te leurres, mon ami. Ce que tu es, c'est ce que je suis là. On a tous les deux une vivacité en soi qu'on appelle l'enthousiasme, qu'on appelle la joie, et c'est cela qui est éternel. Et c'est ça qui est respecté.
Mais dans ce monde, c'est un monde de lutte pour voir quelle image sera plus belle que l'autre. Donc on se fait des compétitions d'image, compétitions d'apparence. Et là, il n'y a aucun respect. Et c'est pour ça que les émotions sont à fleur de peau si nous vivons avec cet attachement. Mais si nous savons que nous sommes infinis, que nous ne sommes pas une image, que nous sommes indestructibles, que il n'y a pas de superficialité là-dedans, il y a une profondeur sans fin, alors tu sauras être présent à chaque fois que quelqu'un te dit quelque chose qui ne convient pas à l'image et que toi tu es présent à ce qui a été dit, alors ce qui a été dit passera sans que ça ne te blesse, puisque tu es présent. Et cette présence voit l'absurdité. Cette présence est en paix avec ce qu'il est. Et il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne demande rien à qui que ce soit dans ce monde pour être en sécurité. Il est lui-même la sécurité. C'est pour ça que toutes les pensées qui s'agitent en toi pour te faire devenir ce que tu n'es pas, te met en difficulté pour rester dans ton fort intérieur. Parce que l'esprit, lui, il va chercher la facilité, il va chercher le confort, et il devient indolent quand il l'a. Et quand il l'a, et qu'il est indolent, et qu'il est dépendant de ce qu'il s'est identifié, alors ce que tu es vraiment est absent. Donc, il s'agit ici de voir toute la difficulté que nous avons à, et la résistance qu'il y a de lâcher ce que nous croyons être. Et pour lâcher ce que nous croyons être, il faut tout simplement que tu le vois, que tu le regardes avec une observation extraordinaire, sans juger ce que tu vois, sans dire que c'est bien, c'est pas bien. Accepter de regarder le phénomène de ce que tu es devenu et juste regarder et voir en fait que tout ça n'est pas vrai. Et quand tu as vu que tout ça n'est pas vrai, celui qui regarde tout ça sans juger, sans rien dire, ben il aura vu. Mais s'il y a un jugement, hop, fini, on retourne dans la scène, dans la scène du jeu de la vie, du jeu des images à images. Et là, tu t'y perds. Donc, la plus belle intelligence qui puisse exister, c'est de voir les choses sans qu'elles ne t'impactent, sans qu'elles ne t'accaparent. Regardez, sans en rajouter. Regardez les faits, sans en rajouter. Sans vouloir
contrôler les faits, sans vouloir contrôler l'événement. Ce qui se meut en toi, accepte et vois-le. Et vois-le comment ça marche. Accepte d'aller jusqu'au bout avec. Et tu vas voir que quand tu regardes ainsi, tu apprends beaucoup sur toi, sur ce que tu es. Et tu peux remettre l'ordre parce que tu as appris. Et c'est ainsi la connaissance de soi, se connaître, pour pouvoir réparer les anomalies de ce qui se meut en soi.